coup, alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 décembre 2022. J'ai reçu une nouvelle tulipe, donc vous l'aurez vu dans le titre, c'est la tulipe Akel, un modèle que j'ai déjà eu il y a quelques années et que j'ai revendu à l'époque sans le regretter, mais qui finalement j'avais un petit pincement au cœur de voir encore en 2022 des photos de la tulipe Akel, qui est un modèle très rare, très cher et qui très peu ont. Alors vous allez me dire, mais en fait la Yui elle nous raconte des conneries, pourquoi là elle déballe une stock alors qu'elle a annoncé sur Instagram et dans une vidéo YouTube, oui bah j'arrête les stocks. Alors j'ai bien dit que je n'aimais quasiment plus, ce pourquoi je vends pas mal de mes stocks et ça va être encore le cas pour d'autres stocks dans l'avenir, ça c'est sûr. Mais j'ai bien précisé que j'aimais mais à la fois plus, parce que du coup j'ai plus du tout le cœur dans les stocks. Ça n'empêche que j'en trouve encore certaines jolies et dont dans ma collection et même en dehors. C'est juste que je ne ressens plus l'envie d'en acheter. Sauf à part 2-3 exceptions, comme par exemple du coup la tulipe Akel, le Taeyeon-gak et il y a d'autres modèles. Du coup elle va être semi-achetée, d'où le fait que ça m'a boosté pour l'acheter encore plus. C'est qu'en fait elle va être semi-achetée de la bouche par AN Studio. Elle m'a dit oui, voilà, qui d'ailleurs elle me fera la semi-achetée de la bouche de Krista. C'est une tulipe Akel que j'ai eu d'occasion au complet sur Bui. Donc je me suis tapé la donne et les frais de port, très cher. En soi, elle m'est revenue à 71 €, ce qui est donné pour une tulipe Akel. Mais elle a des défauts, sa tenue stock est tachée et son une espèce d'ombrelle est rouillée. Malheureusement les photos elles étaient pas de très bonne qualité et il n'y avait pas de photos de très près sur son visage. Donc je ne sais absolument pas dans l'état dans lequel elle est. Si elle est dans un très bon état, je la garde, sinon je la revends. Mais bon, on va découvrir ça ensemble. Donc j'ai trop parlé, c'est parti. Donc comme d'habitude le transporteur, bah, c'est FedEx. Très bien protégé, envoi plutôt rapide. En même temps j'ai choisi l'envoi le plus rapide par avion. Donc je ne vais pas récupérer la date de ma première tulipe Akel parce que là il s'est écoulé quelques années entre ma première et celle-ci. Donc de ce fait, bah voilà. Ah oui, du coup qu'est-ce que je vais faire sur elle? Bah du coup, Lynn, comme finalement je revends ma première et ma troisième Nomiens, Lynn va revenir sur cette tulipe Akel puisque le tout premier personnage de Lynn qui s'appelait Clary était une tulipe Akel. Voilà. Donc elle revient sur une tulipe Akel à ma grande surprise. Mais bon, on verra si l'état est correct, et si l'état n'est pas correct, je me la rachèterai en plus cher, mais de meilleure qualité. Donc on va découvrir ça ensemble. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo concernant Bui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, je pense que je vais me prendre un vent par tout le monde à cette question et qu'on va pas me répondre en commentaire, mais c'est pas grave. La boîte est très jolie, elle, juste qu'elle est moins jaune que ma première boîte. Et la boîte de la tulipe Akel, c'est une des plus belles boîtes avec la boîte de la Krazia, même si je vends ma Krazia. Donc voilà, donc elle est au complet mais d'occasion. Donc le socle il est en métal, pas besoin de vous le présenter, hein, c'est pas très important. Donc hop là, ah sa main elle est cassée, voilà, mais je m'en fous, j'ai déjà son obitsu donc ça c'est pas un souci. Le prospectus qui est fort abîmé mais c'est pas grave parce que je l'ai déjà. L'avantage de racheter des modèles qu'on a déjà eu. La carte. Ombrelle. Faut savoir que concernant ma première tulipe Akel, j'avais pas eu la tenue stock et l'accessoire parce qu'en fait je l'ai acheté nu. Mais dans tous les cas, comme sa tenue stock, elle est. On dirait qu'elle a déteint, je sais pas trop. Je pense que. Ouais, j'en ferai rien. À voir. C'est dommage parce que sa tenue stock, elle est très jolie, elle aurait pu me servir. Mais bon, c'est surtout la tulipe qui m'intéressait. Ouais, donc l'ombrelle, il est vraiment. Bon, je l'ai pas ouvert, mais. Bon, je pense que ça fait pas la mise au point, mais bon, c'est une ombrelle. Hein. Juste concernant Lynn, elle va changer de yeux, de perruque. Je ne vais pas lui garder les mêmes custos que mes précédentes Lynn ont eu. Ouah, c'est carrément jaune, c'est pas beau. Regardez comment c'est pas beau. Donc, je sais pas si je pourrais récupérer cet état. Ouais. Et la robe, elle a les mêmes choses. Alors l'état, je vais enfin le regarder. Ouais, elle n'est pas jaune. Le méca non plus, il m'a l'air correct. Non, elle est en parfait état.
Bon, c'est vrai que la bouche est très jolie, mais j'ai peur de me lasser de ma quelle au bout d'un moment, parce que comme vous savez, bah, j'aime très peu, voire plus du tout beaucoup de stock. Ce pourquoi elle va partir en FC, même si c'est vrai que ces lèvres sont très jolies quand même. Donc voilà, ce déballage est fini, il a été très long pour rien, mais j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi au guest, dites-moi ce que vous voulez en barre de commentaires. Donc voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, salut.